les temps de la diaspora, ça fait maintenant presque 10 ans que je ne suis pas revenu au pays. J'étais venu fin 2018, précisément en novembre 2018, là où j'ai pris un peu de temps pour passer, j'ai pris un peu de temps ici pour passer du temps avec, avec la famille, et j'ai pu sillonner un peu le pays. Donc c'est là que j'ai remarqué la situation délétère dont les gens vivent. Donc c'est vraiment c'est ça qui m'a interpellé à vouloir agir pour essayer d'apporter un changement. Nous avons l'éducation, l'agriculture, l'économie et la sécurité. Nous allons attaquer immédiatement la question de la sécurité, que nous pensons qu'elle a été sous-traitée. Et donc ça veut dire, c'est-à-dire une reprise immédiate de notre souveraineté. Et ensuite, on a aussi proposé l'autosuffisance alimentaire maintenant, le service civique universel. Il y a aussi l'assurance vie universelle et l'éducation augmentée. Du point de vue de agricole, on a devisé un plan où maintenant on va essayer de moderniser l'agriculture en utilisant des outils, des technologies qui peuvent appuyer et booster la production agricole. On a proposé de créer des centres d'appui et de formation pour booster l'entrepreneuriat à tous les niveaux. Non seulement le niveau industriel, mais aussi sur le plan éducatif aussi. Je suis l'un des seuls candidats qui ne s'est pas enrichi sur le dos des Nigériens. Il peut dire que je suis peut-être le seul candidat qui a su créer des entreprises à l'échelle internationale, qui a créé d'emplois dans le passé et qui peut le faire ici aujourd'hui. Sortez massivement, la politique est un jeu de nombres. Donc, puisque vous êtes les plus nombreux, sortez, défendez vos intérêts pour que ce pays puisse avoir de l'avenir et non du devenir. Sortez, votez massivement, votez vos droits et surtout, votez vos consciences.